InSight, c'est encore un exemple de plus de l'excellence de la coopération spatiale entre la France et les États-Unis. Il y a eu un appel à idées qui a été lancé par la NASA et le JPL, et le CNES a répondu avec cet accéléromètre SES qui a été conçu, développé par le CNES et dont l'objectif est d'aller mesurer d'infimes tremblements de terre à la surface de Mars pour savoir si le cœur de Mars est liquide ou solide. En quelque sorte, on va écouter battre le cœur de Mars. Et pourquoi veut-on faire cela? Eh bien parce que on sait qu'il y a eu de l'atmosphère, on sait qu'il y a eu des mers sur Mars, on ne sait pas pourquoi elles ont disparu, probablement à la suite d'une évolution du magnétisme. Et pour comprendre, pour déterminer pourquoi il y a eu cette évolution, eh bien les mesures que InSight va nous envoyer seront absolument fondamentales. Alors, aller mesurer de micro-tremblements de terre sur Mars, ce n'est pas si facile parce que sur Mars, il y a du vent. Et donc, c'est pour cela que le sismomètre sera placé sous cette espèce de paravent pour éviter justement de mesurer des rafales et non pas les tremblements de terre. Mais in fine, lorsqu'on aura ces mesures faites avec une extraordinaire précision, eh bien, on comprendra sans doute pourquoi Mars a évolué comme il a évolué et pourquoi il y a eu ou il n'y a pas eu une vie dans le passé sur Mars.